La main du Seigneur fut sur moi. Il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je dis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Prononce un oracle contre ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. » Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements, « Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, j'étendrai sur vous de la peau, et je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. » Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Il y eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle et un mouvement se produisit. Les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai. Voici qu'il y avait sur eux des nerfs, de la chair croissait, et il étendit de la peau par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, « Prononce un oracle sur le souffle, prononce un oracle, fils d'homme. Dis au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle, viens des quatre points cardinaux, souffle sur ces morts et ils vivront. » Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux et ils vécurent. Ils se tinrent debout, c'était une immense armée. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. » Ils disent, « Nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. » C'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux. Je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol. Alors vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui parle et accomplit. Oracle du Seigneur. Ce passage nous relate l'une des visions les plus saisissantes de toute la Bible. Ce n'est pas un simple récit de résurrection, il s'agit là d'une véritable régénération au sens biologique du terme. Les détails que nous allons découvrir ne sont pas fortuits, ils participent avec une efficacité redoutable à la visée théologique de ce texte. On observe en outre une progression narratologique qui suit le dialogue entre le prophète et son Dieu. Mais auparavant, les premiers versets décrivent la scène. Au verset 1, on nous dit que la main du Seigneur fut sur le prophète, qu'il le fait sortir par l'Esprit du Seigneur, littéralement le souffle. Alors c'est un terme important parce que nous allons le retrouver un peu plus loin et c'est même la clé d'une certaine manière de ce texte. Le prophète arrive dans cette vallée et il observe, il constate que cette vallée est pleine d'ossements. Imaginez la scène, cette vallée remplie d'ossements. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée, ils étaient tout à fait desséchés. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de cadavres qui sont morts récemment. Non, ce sont des personnes qui sont mortes depuis très longtemps, au point que les ossements eux-mêmes sont desséchés. C'est alors que Dieu pose la question au prophète. Il lui dit, ces ossements peuvent-ils revivre? Quelle drôle de question! Pourquoi Dieu pose-t-il cette question au prophète? D'abord, est-ce qu'il ne connaît pas lui-même la réponse? Est-ce qu'il cherche à savoir quelle va être la réaction du prophète? Est-ce que Dieu est sérieux? Est-ce que c'est une question, une simple question rhétorique? Ézéchiel est prudent. Il préfère ne pas prendre de risques et il répond, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Autrement dit, « Moi, je n'en sais rien, je suis parfaitement incapable d'une telle chose, mais après tout, si toi tu penses pouvoir le faire, je t'en prie, vas-y. » Dieu va donc donner des instructions au prophète. Cela va se faire en deux temps. À chaque fois, il va lui dire,
prononce un oracle, voyez ici cette formule, prononce un oracle, et puis ensuite le prophète va s'exécuter, je prononçais l'oracle, comme j'en avais reçu l'ordre. Un peu plus loin, dans un deuxième temps, Dieu va de nouveau lui dire, prononce un oracle, et le prophète va s'exécuter, je prononçais l'oracle, comme j'en avais reçu l'ordre. Alors regardons ces deux étapes, et on va s'interroger, savoir pourquoi finalement cette prophétie, cet oracle en deux temps. Tout d'abord, le premier oracle s'adresse aux ossements. Et voilà ce que Dieu dit aux ossements, il dit « Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez ». Mais auparavant, il dit « Je mettrai sur vous des nerfs, premièrement, je ferai croître sur vous de la chair, deuxièmement, j'étendrai sur vous de la peau, troisièmement, et enfin, je mettrai en vous un souffle, quatrièmement ». Voilà les quatre éléments que Dieu va faire pour régénérer ses ossements. Et c'est précisément ce qui se passe lorsque le prophète s'exécute. On retrouve les mêmes étapes. Tout d'abord, les nerfs, la chair et la peau. C'est une image saisissante d'un point de vue anatomique. Il y a des détails anatomiques ici qui montrent bien qu'il s'agit d'une véritable régénération. Imaginez ces ossements qui commencent à se rapprocher. Le verset 7 nous dit qu'il y a un bruit. On imagine une sorte de tremblement de terre. Les ossements qui commencent à se rapprocher, c'est digne d'une véritable scène hollywoodienne. Les ossements s'emboîtent entre eux, les uns par rapport aux autres. Les nerfs, littéralement, les tendons se mettent en place. La chair, ce sont les muscles également qui commencent à grandir. Et puis finalement, la peau qui les recouvre. Autrement dit, nous avons à présent des corps. Mais ces corps sont inertes. Il n'y avait pas de souffle en eux. On y revient à cette notion de souffle. Cette notion de souffle est fondamentale. Et c'est pour cela qu'il y a un deuxième oracle à partir du verset 9. Cette fois-ci, l'oracle n'est plus contre les ossements, comme au verset 4, mais il est sur le souffle, nous dit-on, au verset 9. Et le prophète invoque, il dit « Souffle, viens des quatre points cardinaux, souffle sur ces morts et ils vivront. » C'est un élément très important. Cela souligne le fait qu'un être humain n'est pas qu'un organisme biologique, aussi complexe soit-il. Il a besoin du souffle divin pour prendre vie. La prophétie s'accomplit et nous avons ici ces ossements qui se tiennent debout et qui constituent une immense armée. Imaginez la scène, c'est très impressionnant. Alors, les versets suivants vont ensuite nous expliquer la raison d'être de cette vision, sa signification. À partir du verset 11 et dans la suite, Dieu explique au prophète, il lui dit « Ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent « Nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. Pourquoi ?» Alors, petit rappel historique, nous sommes au VIe siècle avant notre ère. Les Babyloniens sont venus, ont envahi la Judée et ont déporté toute une partie de la population à Babylone. Le peuple est en exil. Le peuple se plaint, il crie à Dieu. Il a l'impression d'avoir subi un véritable traumatisme. Imaginez d'avoir été arraché en quelque sorte à votre peuple, à votre terre. Ils ont cette impression d'être en pièces. Et ils ont l'impression d'avoir été totalement abandonnés. Leur espérance a disparu parce que leur Dieu n'a rien fait pour eux. Et croyez-moi, ce ne sont pas quelques paroles d'encouragement ou quelques pansements qui suffiront à les restaurer. Ils ont besoin de vivre une véritable résurrection et même plus, une régénération, c'est-à-dire une reconstruction des tissus. Et le message que Dieu veut leur faire passer, c'est qu'il n'a pas oublié son peuple. Et c'est pour ça qu'il donne au prophète un dernier oracle ici au verset 12. Il leur dit « Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. » Les tombeaux ici, bien sûr, représentent cet exil à Babylone. Et donc Dieu dit « Je vais vous faire remonter, je vais vous faire sortir de Babylone, je vais vous ramener jusqu'en Judée. » Il continue en disant, verset 14, « Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. » Alors, on retrouve précisément ce souffle divin dont il était question dès le premier verset. « Il me fit sortir par le souffle du Seigneur. » Donc, du premier au dernier verset, le souffle divin est au cœur de ce récit. Et ce souffle divin, c'est le même mot en hébreu, le souffle et l'esprit, c'est cela. L'esprit de Dieu, c'est la façon, c'est cette force invisible, mais aux effets bien réels,
avec laquelle Dieu interagit avec notre monde. Vous savez, le vent qui agite les branches, le vent qui gonfle les voiles, sans pour autant qu'on puisse le voir. Eh bien, voyez-vous, ce souffle est indispensable à la vie. C'est grâce au souffle de Dieu que nous pouvons vivre. C'est grâce à ce souffle que nous pouvons connaître ce Dieu qui parle et qui agit. C'est le souffle de Dieu qui nous permet de le connaître, qui nous permet d'expérimenter cette vie qu'il est prêt à nous donner. Ce Dieu qui restaure, ce Dieu qui régénère, ce Dieu qui redonne la vie.